Du coup, mission 2, Canada. Une cible high-tech, ok. Alors, c'est qui cette fois? Alors, là, on a le virus de Van Verg. Un mystérieux tueur à gages virtuel cause des ravages sur le réseau mondial. Selon nous, il utilise une micropuce intégrée aux lunettes intelligentes pour effacer l'identité virtuelle de ses victimes, bloquant ainsi l'accès à leur vie. Comme ces micropuces sont très sécurisées, il doit s'agir d'une affaire interne. Notre premier suspect est Nimbus Web Optics, le fabricant des lunettes intelligentes les plus populaires au monde. Ce soir, lorsque le bâtiment sera vide, vous infiltrerez Nimbus et son réseau. Votre mission est d'accéder au serveur central et d'en extraire les documents techniques de la micropuce. Bon courage. D'accord. Ok. Eh, du coup, je joue toujours la meuf? Ah ouais, je suis encore le hacker. Je dois te donner l'accès. Ok, bon, je force l'accès, je hacking. Oh putain. Oh merde, t'es où? T'es au sous-sol, étage 1, étage 3 ou l'ascenseur? Je suis à l'accueil. Bah, on va essayer sous... Bah, étage 1. Eh, mais c'est un bordel. Oh là 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 là. Attends, du coup, je vais voir la caméra. Il y a un PNJ. Oui, si, je crois que je te vois. T'es devant un Nimbus, non? Ouais, il y a un hologramme là. Un hologramme? Je vois pas sur la caméra, moi. Il me dit ID non reconnu. Ouais, c'est ce que la caméra me dit aussi. Mais du coup, elle veut quoi? Genre, elle veut. En fait. Faut que t'aies accès, faut que t'aies un idée. Ouais, c'est ça, je peux pas lui parler tant que j'ai pas d'idée. Je bouge pas parce que j'ai plein de trucs là, donc. Attends, le délire, c'est peut-être de te donner les idées de quelqu'un qui travaille déjà dans la boîte. Ouais. Oh putain, il y a plein de profils. Oh, je peux te donner celui que je veux. Tu veux lequel? Oh, attends, il y a pas un mec genre avec une coupe mulot. Il va me donner un profil à la con. Oh, c'est bon. Oh, je l'ai. Oh, celui-là, il est pour toi. Il t'appellera Annabelle Meyer. Je transfère ton idée. Fan de football, joue à Fortnite et écoute du rap. Le profil. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. Mais on dirait qu'elle a une moustache. Elle est pour toi. Tu l'as reçue? On dirait, ouais, je peux parler. Ah oui, c'est bon. Bonjour, Annabella. Ok, et du coup, je peux rentrer maintenant? Attends, je peux aller où? Ah oui, là. Tu peux aller là-bas? Ok, moi, je te vois plus, là. Hein. Je dois trouver mon chemin pour aller à la salle des serveurs unité centrale. Donc, c'est par là. Ah, c'est fermé. Votre accès au centre technologique se fait uniquement sur rendez-vous. Moi, je peux te créer un rendez-vous, moi, non? Ah, rendez-vous? Ah, bah ouais. Je peux te créer un rendez-vous. Alors. Vas-y, donne-moi un petit rendez-vous. C'est quoi déjà ton nom? Tu me mets jeudi en 8, c'est Annabella. Annabella, jeudi. Alors attends, mais pourquoi? En 8. Idée du poste de travail. Il faut ton idée. C'est à 6 chiffres. Je suis agent du centre d'appel. Ah, il y a un chiffre? Ouais, il y a 6 chiffres. Ah, il y a mon bureau. Attends, ça doit être écrit. Objectif du jour. Ok. Ah non, ok. Je dois peut-être te donner l'idée d'un mec qui a rendez-vous ce jour-là. Ouais. Alejandra Gomez, Nadia Ferrorov. Alejandra? Tu dois aller où? Moi, mon objectif, c'est trouver mon chemin pour aller vers la salle des serveurs. Mais du coup, je peux te donner n'importe qui du moment que t'as accès à la salle. Genre, la porte, elle a un nom, non? Centre technologique. Mais j'ai pas ça, moi. Vas-y, je t'envoie rendez-vous avec la DRH. Nadia Fedorov, tu t'appelleras. Allez, vas-y, je vais aller dans son bureau, ça va chauffer. Je peux peut-être faire un truc avec son PC. Ah, tu voulais pas mon idée? Si. Bah non, c'est idée du poste de travail 209. Oui, 209 775. Ah si, idée du poste de travail, redonne-moi l'idée. Il se fiche de moi. Attends, je retourne à l'ordinateur. Alors mon idée c'est 209 775. Ok, choisir un service. Ah, comptabilité, ingénierie, ressources humaines. Ok, je peux te mettre où je veux. Toi tu veux centre technologique? Ouais. Il est quelle heure? Il est 5h12, mais 5h du matin. Je te mets 5h30. Attends, ça a l'air d'être des vraies minutes. Il va falloir que j'attende 20 minutes là? Bah. Ah, je peux entrer quand même? Ok. Du moment que j'ai le rendez-vous en fait. Alors attends, il y a plein de trucs là. Étage 3, serveur central. C'est là où je dois aller, mais. T'es à l'étage 3? Non, j'ai joué à l'ascenseur. Attends, ah, étage 3. L'ascenseur, attends, bouge pas, l'ascenseur, je l'ai aussi. Refusé, je peux pas aller à l'étage 3. Bouge pas. Vas-y, pirate. Alors, numéro de série. Putain, oh là là. Ah putain, je l'aime, il est long hein. Ouais, vas-y, donne-moi les 773. Voilà, 773 et après donne-moi un chiffre. 8403. 403, accéder, c'est bon. Tu veux aller où? Troisième étage, c'est parti. Ah ouais, c'est toi qui me le fais monter. Qui est là? Ah ouais, c'est bon. Genre... Non. Toi, j'avoue que le hacking, il est bien fait, hein. Putain, genre, c'est... Alors, étage 3, allons-y. Ah merde, je dois entrer un code d'accès. J'ai pas le code d'accès pour aller à l'étage. Faut que je farfouille. Ouais, je sais pas, il doit y avoir un code d'accès quelque part. Attends, je farfouille. Nimbus. Ah bah voilà, c'est 1736 le code. 1736, je rentre, je hack. C'est bon. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Mais attention, réseau central. Je remarque une surveillance accrue. Ah, il y a une surveillance, il y a de la surveillance apparemment, fais gaffe. Ok, alors. Ah oui, c'est des drones. Drones de sécurité, je peux. Ouais. Ah, j'y ai accès. Ok, où suis-je que ce bordel? Ouvrir la porte. Ah, je vois leur déplacement, c'est pas là. Ah, ok, mais. Tu peux m'ouvrir le labo recherche et destroy? Ouais. Oh merde! Ah, merde. C'est toi qui t'es fait repérer ou c'est moi? Non, en fait, la porte que je t'ai demandé de m'ouvrir, juste derrière, il y avait un drone. D'accord, ok. Ah oui. Ah, mais toi, t'es à l'accueil. Ah oui, le drone, ouais. Ok. Ah, il est juste derrière la porte. Il faut que je te l'ouvre quand le drone n'est plus là. Ok, bouge pas, t'es prêt? Pourquoi, tu le vois, le drone, toi? Oui, je le vois. Ok. T'es prêt? Vas-y. Maintenant.
traverse en face, j'en sais rien. Mais c'est bon, j'ai traversé, il n'y en a pas en face. Alors attends. Il y a plein de pièces. Ah, c'est là, je crois. Ah merde, c'est hors service, c'est quoi ça? Tu vois plus. Hein. Ah, t'es à la pièce où il y a un triangle jaune ou un truc du genre, non? C'est pas un triangle, non, c'est genre une porte en travaux. Ouais, c'est ça. Bah attends, bouge pas, moi aussi je la vois, mais j'y ai pas accès. Tu sais, tu voyais un triangle, toi? Bah moi, je voyais sur mes trucs, je vois un triangle. Réseau central. Ah, il me faut un code. Oh la vache, il a 30 000 chiffres. Attends, faut que je te trouve un code en fait. Oui. Et une autre pièce, là. Merde! Oh putain, il y avait un drone. Du coup, tu recommences. Bah du coup j'ai respawn à la porte que tu dois me déverrouiller quand il y a plus de drone. Mais du coup ça quand tu y vas, tu y vas où? Tu vas en face? Là j'ai couru, j'avais traversé en face, ouais. Ok. Maintenant. Après j'ai pris à droite là. Quand je suis en face, il y a une porte à droite, mais il y a des drones derrière. Ouais mais non, il y a un drone, fais gaffe, il revient. Ah merde, putain, il rentre. Ah d'accord. Ouais, il rentre. Tu me vois la caméra là? Ouais, coucou. Tiens, laisse un pouce bleu. Tu vois dans le labo R&D là? Ouais. Et bah c'est à droite que je dois aller ou tout droit? Tu sais pas, on voit pas. Ah, tu vas peut-être devoir passer par les drones en vrai, hein. Bah oui, c'est ça en fait. Faut réussir à passer sans se faire opérer, faut que tu me dises quand attends, je dois y parce aller. Parce que moi je vois leur point de déplacement, mais c'est chaud. Et à aucun moment tu peux te planquer. Faut tracer quoi. Faut que tu me dises quand je peux y aller, mais faut que tu me dises je vais tout droit ou je tourne à droite? Ah si, il y a un moyen. Quand les drones. OK putain, va falloir en fait que tu ailles un moment quand je te le dirai, va falloir que tu ailles tout droit, que tu te planques dans la pièce où il y a la porte en travaux là, et quand je te le dirai, va falloir que tu refasses un demi-tour et que tu prennes la porte sur ta gauche. D'accord. Tu comprends? Vas-y, tu sais quoi, on va le faire. Ça me paraît complètement correct. Quand tu vas y aller. Mais si, je vois, il y a un moment en fait où le drone n'est pas sur ton chemin. Ah, donc là, je vais tout droit. Hein. Attention, 3, oui, tout droit. Tu fonces toujours tout droit. 3, 2, 1, vas-y, tout droit, vas-y, fonce. Fonce. Planque-toi dans la dernière pièce. Ouais, j'y suis. Ok, je te dis quand y aller. Hein. Et quand tu y vas, tu prends la porte sur ta gauche. Ok. Très. 3, 2, 1, maintenant. Super, super. Ah non mais d'accord, mais il est rapide. Ouais, c'est ça. Mais la porte elle est ouverte ou pas quand tu je vois pas la porte. Eh ben en fait elle s'ouvre automatiquement quand j'arrive dessus. D'accord. Ah mais elle est fermée alors de base, d'accord, parce que moi j'avais l'impression de les voir ouverts. OK, c'est pour ça. OK, c'est bon. J'ai. Ouais, j'ai. Non mais vraiment j'ai, tu vois. Maintenant, reste tout droit. J'y suis. Attends-toi. Vas-y, avance dans la première pièce mais n'avance pas tout de suite dans la prochaine. T'attends. Tiens-toi après la porte. Vas-y maintenant. Maintenant, vas-y, fonce. Fonce. Ah putain, il m'a vu au dernier moment, quoi. Ah, faut être encore plus rapide que ça, quoi. D'accord, ok, c'est vraiment un poil de cul, en fait. C'est vraiment un poil de pixel, quoi. Clairement, t'aurais dû te planquer sur le côté, tu sais. On peut même pas se planquer, je crois. À peine je suis dans la pièce, je suis grillé, en fait. Maintenant, parfait, vas-y. Non, il revient. C'est bon. Je suis dans une pièce avec hors service. Il vient vers moi ou pas? Ah, dans la pièce. Ah, je suis dans la pièce. C'est bon, je suis dans la pièce au serveur. Ah, d'accord. Unité centrale. Projeter la serrure. Ah, demander de l'aide au partenaire. Bah vas-y, demande. Mais est-ce qu'il va vraiment être utile ce mec? Je lance un appel. Accepté. Chargement de l'outil crochet. Je vais essayer. Et putain, c'est quoi ce délire? Oulala. Ah, faut laisser la souris dessus. Ah, quand on est tous les deux. Ouais, j'ai rien compris. Tu vois la même chose que moi ou pas? Oh, t'as vu quand tu m'as... clic gauche. Mais moi ça marche pas. Y'a que toi qui peux, je crois. Et toi tu peux peut-être bouger les autres horizontalement, non? Ah ouais, c'est ça. Vas-y. Oh merde. Ah, faut le maintenir, d'accord. Mais oui, maxi goal. Attention, vas-y. C'est bon. Okay. Il y en a 3. Attention. Oh là là, il y a des c'est compliqué. Hein. Ah merde, c'est à moi, ça a changé. Ah oui, oh, d'accord. Putain. Oh, je fais comment? Attends, ok. Puis là, faut que je le... Attends, faut que je le recule à fond. Ah oui, ouais. Vas-y. Vas-y. Mais c'est easy. Mais c'est... c'est easy. Okay. Il bouge tout seul. Là, ok. Ah, il bouge tout seul. Je contrôle ça et je contrôle ça. Ah, moi, je contrôle les oranges, ok. Ah oui, mais alors là, ça va être chaud, là. Ouais, il faut que tu... ouais, celui-là, il faut que tu l'enlèves, le milieu. Non, faut là. Que je le baisse lui avant, en fait. T'es prêt? Vas-y. Mets-toi sur la feinte. Vas-y. 1, 2, vas-y. Ah oui. Mais c'est pas possible. Faut... Ah. Mais si, après, faut que tu le retiennes, non? Non, en fait, tu vois ici, toi, faut que tu bouges lui en premier. Comme ça, moi, je mets lui en bas. Ah ouais, d'accord, ok. Bah déjà, lui, on peut le bloquer dessous. Ouais, voilà. Après, je baisse celui-là et toi, tu traces à fond. Et après, faut que tu le retiennes. Retiens-le encore. Tu vois, ah regarde, oui, merde. Oui, c'est vrai. Alors, attends. Alors, je fais ça et je le retienne juste après. Voilà. C'était le troisième niveau. Mais ce genre de petits jeux, il faudrait les mettre. Ça irait bien avec Among Us. Ouais, en vrai, ouais. Vous y êtes. Ok. Maintenant, aidez votre partenaire à chercher le dossier de la micropuce. Ok. Je dois pirater le réseau du serveur. Ouh lolo. T'as besoin d'un... Ah, ok, réseau central. Ouais,
il me faut 12 chiffres. C'est quoi qu'il te faut l'intitulé? Entrée de la, il me faut l'adresse IP. L'adresse IP, alors 245, 245, 151, 105, ouais. 125. Et je peux créer une backdoor. Ah c'est bon, je peux ouvrir une backdoor. 3 menaces détectées. Oh merde, attends, j'ai pas vu. Il y avait écrit 3 menaces détectées. Ah attends, et si j'ouvre, tu vois pas là? Si si, mais je suis en train de... En fait, je suis parti dans le truc là. Analyse du pare-feu. Ah d'accord, je suis dans un vrai pare-feu. Bon bah attends, j'analyse. Ah oui, pare-feu là. Mais... Ah je peux les désactiver? Alors attends, résultat de l'analyse. Sous-type de pare-feu, j'ai un espèce de soleil. J'ai un symbole avec un soleil. Ouais. D'un côté, un espèce de soleil. Et de l'autre côté, c'est une boule avec des pics. Ouais, je l'ai. Alors attends, je le désactive? Ouais, il faut que tu désactives cela, ouais. Ok. C'est bon. Attends, il y en a trois. Je sais pas, ouais. Attends, un soleil avec des pics. D'un côté, les pics sont accrochés dessus. Hein. Ils sont, il y a pas d'espace. Hein. Il est vraiment, ouais, ouais. C'est vraiment dessus. Mais je crois qu'il y a un troisième truc à désactiver. Il m'a dit 2 sur 3. Attends, j'en désactive un autre pour voir. Ah c'est bon. Ah non, tentative bon. Ratée. Ça me disait en fait. Putain, je suis con. En fait, j'avais c'est 3 chances. Ah, c'est bon, tentative ratée. L'autre, il a dit attends, c'est 2 sur 3, je réessaye. Il faut en faire 3 et on a gagné. Le mec, il a pas compris que c'était ses vies, tu sais. Je te jure. Alors, j'analyse le pare-feu. Je vais te redonner une description appropriée de l'image que j'ai. Hein. Ok, alors cette fois-ci, j'ai un espèce de soleil, toujours, tu sais, avec des petites... avec des traits, tu sais, tout autour, tu vois. Genre, j'ai ça. Et de l'autre côté, j'ai comme un boulon. Un boulon avec un cercle à l'intérieur. Ok, et en fait, tout à l'heure, je me suis trompé. Hein, le soleil que je t'ai donné, et, les pics, ils étaient pas attachés. D'accord. Alors, là je vois en plus... Un boulon après, un soleil et un boulon. Alors c'est pas un engrenage, hein, d'accord. C'est comme un vraiment les trucs c'est plat quoi. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 côtés plats. Ouais je vois. Il y a 5 côtés plats et à l'intérieur il y a un arc de cercle bien rond. Et encore à l'intérieur il y a un tout petit arc de cercle mais vide. Tu sais c'est vide. Ouais je vois. Et le soleil il est comment? Et le soleil c'est un arc de cercle avec 3 traits sur les côtés. Comme pour faire un soleil quoi. Ok je vois quel soleil. Alors attends je le cherche. Tu m'as dit qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5 faces sur le boulon? 1, 2, 3, 4, 5 faces, ouais, 5 côtés. Et ouais. Le soleil, il y a 3 traits? Oui. Ok, je crois que c'est le bon, alors attends. La sécurité sera alertée si 3 désactivations inattendues du pare-feu sont détectées. Là, je l'ai désactivé. Est-ce que tu peux le pirater maintenant? Non, je peux rien faire, je crois. Et attends, je vois un nom sur le truc. Protection, c'est le 0105. Tu vois des noms, toi? Non, je vois que des symboles, moi. Et il faut qu'on fonde pas un boulon et un engrenage. Je vois qu'il y a des engrenages. Hein. Oui, non, c'est un boulon, ça. Je sais pas si je t'envoie un screen. Attends, regarde, je t'envoie le mien. Oh, c'est triché, mais bon, pas dire, moi. Celui-là que j'ai désactivé, je t'ai envoyé sur Discord. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Ah non, ou alors c'est peut-être l'inverse, faut peut-être juste laisser activer cela, tu sais. Bah non, parce que je peux en désactiver que 3 max. Bah regarde, moi je t'envoie le mien, mais oui, c'est celui-là. Hein. Bah je pige pas, il est bugué le jeu ou quoi. Ah non, le soleil. Oh, putain. Ah, c'est pas le même soleil. Gueule, le soleil, il est pas Oh non, vas-y, on a trop triché. Oh, non, mais attends, non, ça sera à couper. Alors attends, on va simuler. Ah, mais attends, c'est peut-être pas le bon soleil. Ah oui, c'est peut-être pas le bon soleil, en effet. Essaye de trouver un autre soleil qui ressemble. On est vraiment trop intelligents. Ah c'est bon, il y a un autre soleil là. Attends, je désactive, dis-moi. Ah, ça a l'air good. Bah moi je peux pas bouger. Je dois cocher un truc, j'assume l'entièreté des responsabilités. Ah c'est bon, là ah, c'est ça bon. M'envoie, ça me... Je tombe. Je tombe dans le néant de la matrice. Okay. Mais c'est bien fait par contre, c'est joli la matrice en vrai. Hein. Ah, je vais me faire aspirer je crois, non, pas encore. Ah là, je me fais aspirer, ok. J'ai 2 portes où je peux rentrer, je prends laquelle? Ah attends, je peux peut-être t'aider. Quarantaine antivirus. Ah oui, je te vois. Ah, je suis en quarantaine? Ouais. D'accord. Alors attends, faut que je te fasse sortir de la quarantaine. Bah moi je peux entrer quelque... j'ai 2 portes dans laquelle je peux rentrer. Le devant et derrière quoi. Voilà. Et sur les côtés, j'ai un mur bleu et un mur blanc. Avance pour voir un peu. Je peux pas avancer. Mais comment savoir dans quel sens tu es? Ah d'accord, mais est-ce que tu vois le mur bleu en face? Ouais. Est-ce que tu vois un mur bleu? Ok, et bah la porte... Ouais, du coup, t'es dos au mur? Non, je suis en face. Ok, donc prends la porte à gauche. Voilà. Okay. Ça va être ça à chaque fois? Oh putain. Ouais. Et du coup, t'es toujours dos au mur là? Ou en alors, face? Alors, je viens de passer la porte. J'ai une porte bleue. Écoute, d'accord? Ouais. J'ai une porte bleue et j'ai 2 portes blanches. Mets-toi toujours dos au mur bleu. Ok, je me mets et dos du coup, mur quand bleu. T'es dos au mur bleu, tu prends la porte à gauche. Ok. Voilà. Ok, je me mets toujours dos au mur bleu. Ouais, okay. Et tu vas en face. Ok, en face. T'inquiète pas, je vais te guider, mon petit. Oui, je me mets dos au mur bleu. À droite. À droite. Je me mets dos au mur bleu. À droite, et c'est bon. Non, c'est pas bon. Si, si, attends. Maintenant, je fais ça. Ok, d'accord. C'est bon, je t'ai sauvé, mon petit. Ouais, tu m'as récupéré. J'étais perdu dans la matrice.
T'étais dans l'antivirus. Ah, mais maintenant, t'es. Y a des drones, non? Y a une dinguerie qui se passe là. Genre, analyser la menace. Oh putain. Ah oui, faut que je t'aide. Vite. Type de sentinelle AI. J'ai un triangle et trois ronds. Un petit au bout du triangle. Un gros rond au milieu et un gros rond au bout. Et un petit rond au bout. Ok, je le vois, je réinitialise. C'est bon. Ah merde, attends, 50%. C'est bon, ah, il y en a encore un. Ah, il y en a encore un, t'es prêt? Ouais. Vas-y, affiche-le-moi. Analyse de la menace, vite. J'ai un triangle et trois ronds à la base, à gauche. Un grand triangle et trois ronds. Ok. Une seconde. Accès à l'unité centrale. 3, 4, 3, 2, 1. J'ai accès, apparemment. Je suis dans l'unité. J'analyse les fichiers. Demandez extraction. Extrais-moi. Ok, attends, je testerai. Je te remets dans ma tablette. Tu m'as ramené en arrière. On nous a repérés. Ah hein? Ah, je dois te sortir de là. Putain, t'es où? Bah, je suis au serveur. Merde, attends. Ah, sous-sol, sorti. Drone de sécurité. Ah, t'es au sous-sol. T'es dans la. Attends, je peux aller vers ingénierie ou sous-sol. T'es quoi? T'es ascenseur? T'es quoi? Y'a un ascenseur. C'est un monte charge. Attends, activé. Ah, c'est bon, il marche. Ouais, je descends là. Ok, alors attends, caméra de surveillance. Oui, je te vois, je te vois descendre. Ah oui, la caméra là-haut. Il va y avoir une tourelle. Salut. Mode surveillance, mode défense ou mode manuel? Tourelle de défense. Il y a une grosse tourelle à un moment. Ah oui? Ok, ouais, fais gaffe. Hein. La voix, elle pointe quelque chose. Je crois que c'est ton monte charge, mais je suis pas sûr, mais je peux rien faire. Dans tous les cas, t'es là. Alors bouge pas. La tourelle, elle est où, bordel? J'arrive pas à me repérer. Ah oui, je vois la tourelle au plafond, ouais. Ouais, bah quelqu'un. Elle est en mode surveillance là, elle est pas en mode défense ni en mode manuel. Hein. Elle est en mode. Mode défense activé, fais gaffe. Elle s'est putée? Ouais. Mais elle est passée d'un coup en mode défense, la pute, quoi. Contrôle manuel, j'ai le contrôle manuel là. Ah, c'est bon. Au moment où t'es passé, elle a. Ok. Ah, c'est bon, tu l'as? Oui, je l'ai. Ok, tire, espace. Ah, oh, je peux tirer, trop bien. Ok, mais tire pas dessus. Je peux tirer. Attends, il y a un truc à pirater là. Ok. Le plugin ELV est destiné aux techniciens effectuant la maintenance du câblage industriel. Ok, bah, je télécharge. À mon avis, je vais peut-être avoir des ennemis à désinguer, oh. Non? Ah, je vois un peu comme dans la Matrix. Ah, ouais, je vois un fil là. Ah, c'est pour déverrouiller la porte, ok. Alors attends, pour déverrouiller la sortie là, il y a un relais électrique ici. Tu peux pas faire quelque chose là-dessus? Il est à travers le mur? Je le vois là. Ah ouais, vas-y, tire! Vas-y, ouais. Ah non, c'est bon, il est cassé, ouais. Ok, et l'autre, il est. Tu vois la porte en haut là? Par où je regarde? Je me déplace, hein, je suis lent. Par où tu regardes, ouais. En l'air là, il y a une porte. Ouais, il y a la porte, ouais. Bah, à droite, après le poteau, à genre 1 mètre après le poteau, c'est dans le mur. Ouais, c'est good. C'est bon, je m'évacue! Ok, c'est bon, moi ça m'a enlevé de là, ok. Regarde cette sortie. 007 Spectre. Ok, non, vraiment sympa la mission. Ah, une mission 3. On part en Afrique. Allez, go.